Dis quoi, au sud-ouest? Ouais, sud-ouest du continent de la brume. Tu devrais pas être trop loin en théorie. Tire sur mon Ça a l'air doigt. d'être localisé vers les montagnes, ouais. Peut-être plus de l'autre côté. Sur mon doigt. Tu verras, c'est trop sympa si tu tires sur moi. C'est là. Oh, il y a les portes! Ici. C'est vrai? Et du coup, tu fais avec carré? Ouais. Oh putain. C'est pile entre les montagnes, je pense. Quoi? Ah, Choco a trouvé un trésor! Plomb! La 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 la. Potion x5, maxi potion x5. Tente x2, robe de coton x2. Ah ouais, quand même. Ok. Hein. Ok. Doudoudou. Alors. Terre secrète, on dirait une rivière. Tu prends de... Oui, bon, ça va. C'est à côté du marais des Coué. Il y a le. On voit la texture marécageuse. Ouais. À côté de la rivière et de la forêt. Doudoudou, doudouillou. Poète, 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 poète. Ah, poète, 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 poète. poète, 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 n'est-ce pas? Eh oui, ça marche aussi. Non, c'est pas Poète, vers poète, là. poète. Ce serait plus de l'autre côté de la montagne. Selon un informateur. Informateur anonyme. Que on ne citera pas. Non mais non, mais ta gueule! Ouais, arrête de m'appeler pour rien, Kubo. Salut, Chocobo, nous n'avons pas besoin de toi, nous volons! Parti! Encore de l'autre côté. Ah oui, là c'est. Ah oui, putain! Alors ça, c'était Clara. C'est vrai. Ici, là. Ce cratère, là, c'était Clara. Et ici, c'est là où on peut farmer les Big Dragons. Parce qu'il y a la grotte des glaces en dessous. Ça tangue, mais c'est à cause du vent. Et ça, c'est la forêt maudite. Maudite! Apparemment, c'est pas loin de la forêt maudite. Oui, de toute façon, c'est là. Oui. Fais un bout d'hélicoptère, tout va bien. Genre. Ça va être des level 2, quoi. Et Et là, un dragon. Un T-Rex. J'ai toujours peur que ça bug un peu. D'accord. Ah oui, Qu'est-ce c'est que c'est vraiment. considéré? Comme un dragon? C'est. Ouais, non, Aucune diabolique. idée! J'tonk. C'était puissant. Donc voilà, Zargatanas, c'est spécial comme arbre. Bon, là on l'a pas bien vu, mais en gros, c'est des têtes, c'est deux crânes. Rhodes. Voilà, des petits CP quoi. Petits CP. À des souvenirs. Heureusement qu'on a chopé plein de chocolat légumes. Ah oui! Alors on en avait deux au début de la Ouah! session. Ah bah oui, à force de choper que ça. Hein. À un moment Quoi? donné. Normalement, c'est ici. Spouink. C'est littéralement là, hein. Sur la photo, on voit la Ouais. pointe là et la forêt bordée. Ah, peut-être entre les deux, genre justement. Non. Non. Un trésor! Alors, qui l'a enterré là, on sait pas. Antidote x10. Ok. Jadley x1. Oh! Angel Moon x3. Bah voilà. Carte aéro cargo. Ah, ça va plaire à Bibi, ça. C'est Bibi qui va être content. Il y en aura une deuxième. Ouais. Ça, on pourra déchirer la première devant lui. La plage paisible, Oui, c'est qui est toujours sur exposée ce au vent. continent. C'est pas loin de Dali. Ouais, une ville exposée au vent. Exactement. Oui. Alors par contre, d'ici, je sais pas si tu peux... je crois que tu vas être obligé de reprendre le vaisseau. Ensuite, alors. Mais t'es obligé d'utiliser un autre chocolat légume, c'est dommage. Donc là, c'est Dali, là, c'est la porte. Oui, la porte. Oui, la porte. Donc, en fait, c'est là, quoi. C'est derrière. Ouais, c'est ça. C'est... Ah, une ville exposée au vent, mais oui, mais ça. Oui, c'est Bah, là. Clara.
Ah oui. Abruti, abruti. Abruti. Ah bah, il y a les traces de chocobo juste à côté. Ah oui. Ah, c'est bien foutu, Jamy, dis donc. Eh oui. À croire que c'est l'environnement des chocoballes. Quoi? Quoi, mon bec? Qu'est-ce qu'il a, mon bec? Je tombe. Sur la plaque, oui. Ah. Oh. Un tesoro. Un trésor. Légendaire. Oh, soudain, une fumée mystérieuse s'élève. Quoi? J'ai vraiment sommeil, putain. Oh là là, la Team Rocket, elle essaie de voler Pikachu. Non. Ah, c'est la drogue. Choco. On va voir un maître caillot. Mais... Nani. C'est vrai que c'est la planète de... C'est totalement ça. On est tous défoncés. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Oh, je vais faire le... Je le fais. Oh oui. Fais une grosse voix à la baladure. C'est la chouette de Zelda. Mmh. Oh, pour ceux qui viennent ici chercher le paix, leur pays natal ou un ami. Un vrai héros. Oh, Choco. Nounours. Choco, tu veux vivre tranquillement avec les autres chocobos. Ce n'est pas ça. Nostalgique, nous attendons ton retour. Au 08, 36, 65, 65, 65. Choco reçoit le pouvoir des hauts fonds. Tu peux aller sur les bancs de sable en passant par les plages bleues. Il te reste du chemin à parcourir, mais tu viens de faire un grand pas. Nous t'attendons. Je crois que c'était un fantôme. Ouais. Ouais, maintenant on a, peut nager. On a un psychoquack. Alors non, on peut juste aller là. Et là on peut plus. Mais c'est trop bien. Sur mon doigt. Bah, je vais chercher un autre trésor. C'est la voix du chocobo en fait. Spoiler. Et ouais. Du coup ça. Ça donnait le chocobo bleu en fait. Oui. L'habilité Riff. Ah. Riff. Riff. Alors ça c'est plutôt là-bas. Qu'est-ce qu'on est bon hein, depuis tout à l'heure n'empêche. Ah je sais. Oh Mifa. Bonjour. Nous cherchons des traces de chocoballes. Ah, il y en a là. Je cherche surtout un truc qui ressemble à la photo. Bah, c'est à peu près une plage. Ouais, c'est une plage. Je dirais vers là, ouais. De toute façon. Vers là, là. C'est exact. Là. 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 Deux. Attends, parce que les traces de chocobo, garçon. Là. Et mais là, elles sont sur le. Elles sont là. Je l'ai cherché sur l'herbe. Du coup, forcément. C'est... Vous avez vu notre chocobo, il a poké-évolué, quoi. Oui. Enfin, il a choco-évolué. C'est devenu un choco-quack. 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 Il est tellement joli, celui-là, le turquoise. Quack. Choco a trouvé un trésor. Bah, grand bien lui en face. Azurix x9, René x5, René, Perizzo x12, Diamantelet x1. Ah ouais. Ok. Terre glacée. Ah bon, alors ça. Terre glacée. Au vent. L'ange de pierre. Donc voilà, c'est Gaza Est, hein, évidemment. On se doute. Ah
Elle est cool la musique de l'île de garde 3, j'aime bien. Avec des arpèges de xylophone dégueulasses. Ok. Ah oui, je vois laquelle c'est. Elle est cool, elle fait aventure quoi. C'est les années 90, hein, calmez-vous. On faisait ce qu'on pouvait à l'époque. Hein. Ça a l'air d'être vers là, non? Plutôt vers là. Ouais. Ici, là. Ouais, pas du tout. Si, mais par rapport à l'autre côté, non? Ah, de toute façon, il y a les traces de chocobo ouais, ici. Ouais, bien. Ça doit être là. Ah! Il nous attendait au pied du vaisseau. Ah oui, les poissons volants. Attaque par surprise. Oh, super. En attendant Grollo. Donc il y a une nouvelle arme, dit Dan là. Oui. Ah. Risque d'être gelé et d'être one shot. Même pas mal. Bon, le skin de l'arme est pas. Bah, c'est des têtes de. Ah oui, on dirait des squelettes, mais en 2D. Ouais. Tout aplati. C'est déposé une coupe transversale. C'est des crânes de buffle, non? Comme dans les choristes. Hein? Moi je regarde pas les films français. Hein. Ouais, mais t'as bien dû voir les choristes au moins une fois dans ta vie. Non. Vois sur ton chemin. Alors qu'est-ce qu'on a pas vu comme invocation sur ton café? Pépino. On avait vu Cramu. Hein. C'est, je crois qu'on a rien vu avec Daga. Ah bah allez. Parce que, en vrai. Alors après, est-ce que balancer une invocation de froid sur des monstres qui font de la glace? Oui, mais bon, dans le doute, on va lancer un youtubeur indé. Hein. Ouais, t'as trop bien. Ah, c'est pas multi. Non. Ouais, non, c'est trop fort. C'est pas Ultima. Hein. La transcendantale! Oh! Oh! Ses cheveux sont tellement chelous dans le. C'est là quand on a commencé à jouer FF10, on était quand même content parce que. Là, on te fait un perso qui a un physique à peu près humain, mais en 2D, c'est très bizarre. Titani. Ah, j'ai adoré, surtout quand à la fin. On va du coup, hein. Des frites. Hein. N'oubliez pas de RT, c'est super important pour l'avenir de la chaîne. Toutes les caisses. Ouah, 4500 quand même. C'est Atomium hein, à un moment donné. Ouais, la puissance quoi. Il y a des RT quoi. Ah. Palala papa, c'est long hein. C'est long alors qu'ils ont un auto-booster. Il est dégueulasse. Surtout, évite de prendre un coup. Bon, mais là, c'est fini. Ah, on sait jamais. Hein. La la la.
Ah oui, tout ça. Et une carte Vépar. C'est un serpent, la Vépar. Oh merde. Non mais ok. Non mais la Vépar. Ta pec. Alors du coup, Adon Desta, El Tesoro. El Tesseract. El Tesoro. Poète. C'est ça. Sur moi, tu verras, c'est trop sympa. Si tu tiens sur mon doigt. Ah mais c'est là en fait. Ouais. Allez. En fait, je pensais que ce qu'on voyait ici, là. Ouais. C'était une forêt de chocobo. C'était un rond. Ah. Moi, je vois un rond en fait. D'accord. Non, moi je vois une tache. Pistache. Boca x 5, c'est pour faire ma gueule. Maxi potion x 7, tente x 3, carte aéro théâtre, décidément. Ce jeu. Là. Le gué lointain. Ah, alors là, on va rigoler parce que. On dit qu'il y a des gués étendus quelque part. Il y a peut-être un rapport avec ce que tu cherches. Alors là, faut trouver le bon endroit pour se poser. Après, je sais où c'est. Et puis on risque pas de se faire attaquer par l'arme dernière arme ou truc comme ça en volant. Ou le Doom machin, c'est pas ici. C'est plus haut je pense. C'est plus haut. C'est gay lointain hein, que tu fais. Oui. Ouais. C'est un petit peu plus haut je pense. Sur la côte ouest. Côte ouest. Ça a l'air d'avoir des picots qui reviennent. Ah oui, mais alors c'est pas du tout. Au niveau de la map. Non, plus haut. Là, t'es sur les îles, reviens vers du terrain un peu terre et tout ça. Là. Terre brûlée au vent des lampes de pierre. Vers là, plus vers la droite. Ah ouais. À mon avis, ça doit être dans un truc comme ça. Ouais. Maintenant, faut trouver le passage pour y aller. Avec le chocobal. C'est un gay. Mmh. Un gay. C'est clair. Le caillou. Je crois que c'est là. Là. Mais il faut trouver la plage. Parce qu'à un moment donné, le chocobo, bon voilà. Donc ça sent le tu te poses à l'autre bout de la map et tu fais tout le tour. Après on peut passer par l'eau, non? Mais passer par l'eau. Il faut se poser avant. Ah. Faut quand même c'est prendre le chocobo. C'est un détail. Y a pas des traces de chocobal là quelque part? Il faut une plage de toute façon. Il peut pas. C'est des falaises ça. Ah oui d'accord, ouais. Ok, je comprends. Non mais c'est sinueux. Ah, y en avait pas là? Non. Bon. À la recherche d'une plage. Faut pouvoir se garer. Je crois que sur ce continent en plus y en a pas. Donc ça serait plus tard quand on aura d'autres capacités de chocobo? Non. Il faut aller. Tu te rappelles du Tiny Bronco? Ouais. Voilà, les déplacements avec les broncos, c'était chiant. Hein. Ouais. Bah voilà. D'accord. Donc heureusement. Non mais si. Mais on avait été ici là avec un. Mais là, regarde, il y en a des traces de chocobo. Mais il faut une plage. Mais pour quoi faire? Pour aller sur l'eau. Mais on va pas dans l'eau avec le. Mais si. Il est pas dans l'eau. Mais le truc. La photo, c'est littéralement de l'eau.
Mais non, mais c'est sur les machins. Promis, c'est dans l'eau. Non, promis, c'est sur les machins. Je vais confirmer la... C'est Gay des Chocobos, on est d'accord? B des Chocobos? Non, B des Chocobos, c'est autre chose. La B des Chocobos, elle est là. Non, c'est Gay Lointain, ok. Gay Lointain, alors... Gay Lointain, c'est... Ah oui, Gay Lointain, c'est dans l'eau. Fuck! Moi, je croyais que c'était par-dessus le machin, par-dessus la troisième corde. Donc oui, forcément qu'il y a une plage. Je trouve une plage, mais je vois pas les traces. Ah si, elles sont en face, à gauche. En face, à gauche. Non, vas-y. Fais demi-tour avec ton ange. Hein. Stop, demi-tour sur toi-même. Oui, stop, voilà, et tout droit. La deuxième île, sur ta gauche, il y a des traces de chevaux. Oui, c'est vrai. Ah voilà. Sinon, t'aurais pu me dire un peu plus à l'ouest. Ah non, demi-tour. Non, mais vos trucs de nord-sud, ouest. Je veux dire demi-tour, sachant que je sais pas si t'as pas un peu de décalage, du coup, est-ce que je viens pas déjà de faire demi-tour? Puis, mais non, il y a plus de décalage maintenant. Alors, et puis, de toute façon, vos trucs, là, suivant comment personne ça. Personne ne se décale. Voilà. Tikelikata. Oh putain. Oui. Bon. Alors, du coup, voilà, c'est que l'eau claire. Tout est au nord. Le nord. C'est le nord. Ba-la-la-ba-ba. Cathy a sur Jean-Louis. Cathy. Ça se fait ici. Non, c'est pas là parce qu'il y a la lumière jaune. Comme dans Assassin's Creed. Hein? Le film. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont foutu un filtre bleu partout sur... Parce que LOL, Assassin's Creed, c'est bleu. Et dans le présent. Ouais. Rappelez-vous. Donc voilà, ils se sont dit que c'était sûrement une bonne thématique à mettre dans le film. Sauf que ils ont rajouté un filtre bleu sur l'Espagne, qui est hyper jaune, hyper... voilà. Donc ce qui fait que tu te retrouves avec des ciels verts. Ah. Et c'est tellement dégueulasse, quoi. Après, c'est une simulation... Bah ouais, mais c'est tellement déjà de base c'est sépia dégueulasse. Il te rajoute un filtre bleu en plus, donc c'est sépia dégueulasse vert quoi. Honteux. Bon, il dit qu'il a l'air perdu, non? Bah il dit qu'il essaie de trouver un chemin et que qu'il se sent un peu seul. Bah essaye de coller au... Oui, merci. Non mais il faut qu'il y ait un passage. Tu peux pas... Non, à gauche. Mais non, à gauche on peut pas. Et c'est peut-être un pixel. On voit bien que l'eau là elle est bleu foncé. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais peut-être que le jeu a été codé avec le cul. Mais non, il y a un vrai passage. Hein, c'est pas genre. Alors pour avoir ce trésor, il faut glitcher. Ça a été codé comme ça. C'est... Mais oh, faut faire tout le grand tour alors. Ouais, non, on peut pas non plus. C'est-à-dire que c'est pas là. C'est. Que c'est pas encore celui-là alors. Non, ça veut dire que c'était pas ce... Il faut trouver un autre truc de chocobo. Là, y en a, c'est sûr. Yes! Oui! C'était là! Oh, mais c'est bon, là. Hein. On s'en fout s'il touche la plage, le bousin. Non, mais non, parce non, que le sable, il va s'incruster dans les roues de corps. C'est pour ça. Et oui, et puis après, en fait, c'est comme en Allemagne quand tu roules en voiture. Mais on n'a pas de chaussettes. On n'est pas en standard orthopédique. Mais non, mais c'est par rapport aux salaisons des routes et tout, parce que ça bouffe tout le dessous de la voiture. Ah, c'est les astuces techniques quand tu veux acheter une voiture en Allemagne. Oh putain, les astuces. Les astuces techniques. Ah, cet épisode se rendra en sous-titré. Exactement. Avec une audio description aussi. Hein. Et je crois que c'est là. Ouais. Quoi? Quoi? Ouais, c'est ici. Ah, c'est plus loin. Ouais, c'est quoi ce truc là? Une arme! L'arme émeraude, mon dieu. Ouais, mais ça m'a l'air pas loin. Là. Ouais, juste en haut. Ouais, vers là. Ouais, voilà. Le petit rocher qui est en haut à gauche en fait. Là. Sur la photo. Ouais.
Et tout ça sans Solus, hein, les amis. On a pas besoin, hein. La mémoire. Ah ouais, moi j'ai la mémoire, moi. Eh ouais. Il a tapé tellement fort que le coffre est remonté du fond de l'eau. 37 potions. Potions. 6 cachets. Une carapace. Une robe Gaïa. Bon, on a bien fait d'en acheter une. Un joueur de Mario. Hein ? Elle est pas bleue. La carapace. Et le guet Pandora. Non, panorama. Et la petite plage. Je dis que c'est le guet Pandora, ok ? Non, le guet panorama, bah, le guet panorama et la petite plage. Tout ça, c'est vers le premier continent. De la brume, ouais, c'était marqué, effectivement. Effectivement, ouais, l'indication était fournie. Ouais. Évidemment, par le service, ouais. Pouette. Mais c'est quoi en fait ce truc qui dépasse là ? Eh bien, ce sera. Dans l'eau ? Oui. Ah, c'est un caillou. Ah, c'est juste un caillou à la nulle. C'est de la merde, c'est. C'est une texture baveuse. C'est ma bite ! Non. Voilà. C'est la bite de Neptune. Il fait la baleine blanche. On a fait un bond dans le passé là. On est revenu au même niveau qu'FF7. Ça reste un hommage, c'est un hommage. Vous le dites si vous êtes malade, hein. Oh putain, il a un peu ramé, hein. Et je crois que là, c'est ici, hein. Ouais. Ça a l'air. On dirait un Jojo, quoi, l'île. Oh, c'est vieux, ça. Oui. Vous rappelez les trucs, c'était des osselets, mais en fait, c'était pas des osselets. C'est des espèces de petits monstres à collectionner, oui. Qui étaient fluo et tout. Bon, ouais, c'était des osselets, mais... C'était des osselets pour les Jones. Ouais, ils étaient stylés. Ouais. Moi, j'en avais. J'en avais un doré. Oh. Légendaire. J'en ai même eu un transparent. Et ça... Ah, Jojo, quoi. Et non, c'est pas pour les trucs de Weebs, rien à voir. Paf, t'as du deuxième coup à chaque fois. Pouette. Potion x8. René x4. Éther x3. Ah, Toge x1. Une Toge. La petite plage de Bidou est un endroit. Je pense qu'il voulait faire tout ça en une fois. C'est bon, on fait tout. C'est un endroit très agréable, ok. De Lilo. Alors, Lilo. Ah, mais à mon avis, c'est de. Là, on était tout à l'heure. Non, c'est continent de la brume peut-être ? La brume ? Continent de la brume en dessous de la forêt de Chocobo. Je pense. par rapport à la map. Alors la forêt de Chocobal, elle est de l'autre côté de ce bordel. Là tu vas dans l'eau. Dans l'eau. Voilà. Ça doit être vers là. Ah, c'est celle-là. Ah. Ah, mais tu es coincé. C'est pas ce. Attends, reviens. Attends. C'est pas ce bras. Ouais, carrément, tu fais tout le tour. Peu importe. Moi, je pensais que c'était le bras de terre qui remontait, pas ici, tu sais, mais de l'autre côté. Ah. Bah, je sais pas si ça s'appelle l'îlot, c'est bizarre. J'ai plutôt l'impression que c'est ça, moi, en face. Ah, ouais, donc ouais. Si c'est un îlot, en effet, c'est ça, ouais. Ouais, c'est accessible. Bah, je crois que ça s'appelle la plage de l'îlot, non ? Petite plage. La plage de Lilo est un endroit très agréable aussi. Et c'est pas Lilo et Stitch. C'est ça, c'est sur le... Ouais, voilà. Pouette. Fait des tricks avec son chocobo. On est sur la plage, je pense, ouais. J'allais dire à la pointe, mais... Des pas remèdes, pointe. Des Elixirs, des Ninjasun et une canenne. Oh. Bon, c'est un peu dépassé, mais c'est le truc qu'on va pouvoir vendre. Putain, la canenne, on l'aurait eu à l'époque, imagine. Ouais, mais on l'a pas volé, de toute façon.
Bah peut-être. Tu ne l'as pas volé. On a d'autres chocographes? Non. Bah il en manque un alors. Non, 9 sur 9. Non mais l'autre c'est le... Bah ça devrait être dans le guet de l'aube, non? Dans le... Dans le riff. Ah non, d'accord. Non, c'est l'autre, c'est le grand chocographe avec les pièces. Ah oui, non, parce que ça c'est... Non, même pas en fait. Non. C'est juste une autre forêt qui te file ça. Ah, parce que toi tu regardes par région. Ouais. Ah oui, non mais d'accord, mais le mec... Moi je regarde field, riff, tout ça. Oh le mec... Oh mais ça c'est par... En fait ça c'est par rapport aux compétences du chocobo. Ouais, d'accord, je vois en fait. Ah oui, parce que MT, si... Oui. Bon, on fait ce combat-là, puis après on va vous laisser, hein, les gens. Ça fait déjà 2 heures qu'on tourne, mine de rien. Et 2 heures à casser des cailloux... enfin, 1 heure à casser des cailloux, facile. À sucer des cailloux. Je vous avoue que... Paf. Alors que tout est super génial. Tout est super génial. Ah. Oui, pour ceux qui savent, sachent. De rien. Pour vous l'avoir. H2O, auto-récup. H2O, c'est sur quoi? C'est sur un bijou. C'est pas une sur quoi? Quoi? Merde, j'ai jamais enlevé le. Le menu chocographe. On peut pas l'enlever si on a pas de chocolat. C'est bien fait ça. Auto-récup, c'est. Merde. Bon. Du coup, ouais. C'est pas grave, hein. On va se débrouiller. Bah, alors. Ah, c'est là. Pickpocket, maître voleur. Ouais, donc ce fameux truc qu'on voulait avoir à l'hôtel des ventes, mais c'était beaucoup trop chiant et c'était trop cher. Et... Non, vas-y, maintenant, comme ça tu pourras avoir pickpocket, bordel. Alors, c'est vrai que 50 000 balles, c'est peut-être un peu cher. Mais en vrai. Peut-être, ouais, c'est toujours cool. Peut-être on l'aurait payé autant à l'hôtel des ventes. Ouais, mais là, on, c'est-à-dire qu'on on l'a payé en plus 12 000 de plus. Oui, parce qu'on a, armes, on a fait une... pour faire pickpocket, fallait une l'épée de titane qui valait déjà 12 000 oui, balles. Avec sûr, une... oui. Donc voilà, en fait, théoriquement, on l'a payé 72 000, sans compter les sans taxes. Compter les taxes et les deux épées qu'on a dû racheter à l'autre vendeur. Oui, c'est sûr, oui. Donc en fait, on l'a payé 6 000 de plus. Donc en fait, on l'a bien dans le cul. Donc on est plus proche des 80 000 balles. En termes de coût net, hein, bien sûr, et hors taxe. Voilà. Ah, j'ai envie de dire, il s'est bien margé, hein, ce petit margoulin. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme margoulin. Oui. C'est un homme qui marge, évidemment. Autrement dit, un commerçant. Bon, on s'arrête là. Je pense que la prochaine fois, on ira faire un tour du côté de Traîneau. Oui. Parce qu'il nous reste plein de choses à faire encore en hors-série. Déjà, il nous reste 3 forêts de chocobo, je crois. LOL. Bon courage. Ah non, mais la prochaine, elle est très très cool. D'ailleurs, on est passé devant, en fait. Je ne vous spoilerai pas. Ah, donc je peux la spoiler, moi, si vous... Ça coupe, je ne vous entends pas, ça coupe. Allô ? Hein ? Allô ? Bon, salut les gens, ça marche pas bien, je suis désolé. À plus tard. Allô YouTube, as-tu mis ton pouce?